d'avoir en autant une défaite contre Langenthal, mais c'est pas faute d'avoir essayé de marquer des buts et de gagner le match. Ouais, mais je pense que quand tu changes d'équipe, il faut qu'on soit mieux organisé. On a un petit peu recherché individuellement la solution, et puis on s'est un peu cassé les dents, et puis on s'est fait contrer à plusieurs reprises. C'est une équipe qui joue vraiment très défensif, on l'a vu, avec quatre défenseurs souvent. Ouais, ils sont organisés, ils laissent aussi des intervalles pour attendre la mauvaise passe dans leur zone défensive pour prendre des contres, et puis nous, on a fait preuve de naïveté quand même à ce niveau-là. Cette défaite vous met dans une position quand même inconfortable, puisque Langenthal, si j'ai bonne mémoire, était à un point. Comment est-ce que vous allez réagir? Prochain match à Zurich? On a un ensemble d'individualités qui a joué à haut niveau, d'expérience, des jeunes qui ont envie, donc je crois que c'est des professionnels. On est tous professionnels, on doit réagir, aller tout de suite gagner les 3 points acquittés. Mais sauf erreur, je pense que Langenthal a quand même un peu plus de retard sur nous. Je crois qu'il y avait 5 points d'écart à confirmer. Mais donc il faut absolument, absolument redresser la barre pour pouvoir avoir une bonne place pour les playoffs. Alors vous revenez sur le banc lausannois, qu'est-ce qui manque à ce Lausanne Hockey Club? Je crois que et par moments un petit peu de réussite, aussi vraiment une âme entre nous, travailler dans la même direction, aux entraînements et puis pendant les matchs. Et puis je crois que la solution individuelle, ça ne marche pas. Les individualités, on doit les faire travailler ensemble. Et puis c'est ça qui va faire notre force et puis gagner le championnat. Comme l'objectif, c'est de gagner le championnat. Et je crois que ça passe par là. Les moments difficiles vont nous servir aussi, je pense, pour la suite. Mais il faut absolument, absolument qu'on arrive à comprendre ça. Alors Jérôme Bonnet, on a fait la constatation tout à l'heure avec Laurent Perrottan. Vous êtes tombé sur une équipe de Langenthal très très défensive. Ouais, ils ont joué leur jeu, ils savaient qu'ils allaient devoir être défensifs contre nous. Maintenant, nous on a manqué complètement d'organisation, on n'a pas réussi à trouver d'alchimie et on marque pas quoi, donc on peut pas gagner des matchs sans marquer. On vous a vu essayer quand même, vous avez fait un bon match. On a vu dans le troisième tiers que tout le monde a essayé d'aller de l'avant, d'aller marquer un but, mais un manque de réussite cruel. Non, disons un manque de réussite, premièrement. Après, c'est vrai, comme a dit Laurent, il va falloir gagner en équipe. On va pas pouvoir, chaque joueur, essayer d'aller marquer notre goal et puis de sauver l'équipe. Il faut trouver une cohésion. Il faut qu'on commence à jouer ensemble. Il faut que. Voilà, il faut juste foncer, pas arrêter de réfléchir et puis jouer ensemble, quoi. Alors sortir sur les sujets du public, ça fait c'est quand même dur et ça fait quand même mal. Bien sûr que ça fait mal, on n'est pas indifférent du tout, hein, loin de là. Je pense qu'on est les premiers embêtés dans cette situation. Maintenant, on sait très bien que le public à Lausanne, il est émotionnel, il attend des résultats du club, ils sont en droit d'attendre des résultats du club et on peut bien comprendre leur déception. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui manque encore à ce Lausanne Hockey Club pour être vraiment performant? Marquer des goals. C'est bête, mais c'est simple, quoi. Après, si on marque des goals et qu'on arrive à jouer ensemble, qu'on arrive à se trouver sur la glace, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Maintenant, il va falloir commencer à le trouver maintenant, quoi. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, Jérémy Gaillon, on est content de vous revoir au jeu. Comment vous sentez-vous? Oh, je me sens plutôt bien. Le pied, ça a été, j'ai pas eu trop mal. Une, deux fois, un peu, c'est vrai que ça fait seulement 2 jours que je m'entraîne à fond, donc une, deux fois, je l'ai senti encore un peu, mais la forme, elle était bonne. J'avais travaillé dur pendant que j'étais blessé, donc ça a été. Si je devais vous demander le sentiment que vous avez après cette rencontre. Bah, beaucoup de déception, puis un peu de rage quand même. C'est vrai que, ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes tombé, c'est ce que je disais tout à l'heure avec vos collègues, vous êtes tombé sur une équipe de Langenthal très très défensive. Ouais, ils étaient bien organisés. Bon, ils avaient un nouveau coach, ils devaient se montrer aussi que ça pouvait faire. Puis c'est vrai qu'ils étaient vraiment bien organisés. Déjà, au premier match, ils étaient bien organisés. Puis bah là, ouais, c'était un mur à passer. Donc, Vous avez eu un petit peu de recul pendant quelques semaines. Comment est-ce que vous jugez maintenant l'état de forme de votre équipe? Bah, c'est vrai que j'ai vu pas mal de matchs depuis en haut. Et puis c'est vrai que. On sent qu'il y a des hauts et des bas. Il y a un match comme chaud de fond, il y a beaucoup dans la ligne où ça, tout c'était magnifique. Après, d'un coup, on fait beaucoup moins bon match ailleurs. C'est trop en haut, en bas, et on n'a pas de constance. Donc, c'est vrai qu'on ne pourra pas aller loin comme ça. Est-ce qu'il y a une question de motivation face à l'adversaire, finalement? Non, là, moi, je pense pas. Je pense que tout le monde est motivé. Maintenant, il y a beaucoup.
Vous savez, il y a beaucoup de choses qui. Je peux pas expliquer tout. Une réaction samedi mardi déjà contre Getse? Bah, c'est obligatoire, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une réaction. Donc, on regarde en avant, puis on va la guetter. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous.